Salut et bienvenue à tous les passionnés de automobile. Même si tu n'es pas passionné par auto, moi je vais devenir un passion. Même si tu n'es pas passionné, bienvenue à toi parce que tu vas devenir un passion d'automobile avec moi. Donc aujourd'hui, je vous présente un petit bijou que je me suis offert. Donc je vous présente Audi S5. Alors cette voiture elle a 356 chevaux, 4 litres 2. Mais si tu as une voiture de 4 litres 2 essence, très très souvent tu vas faire ça. Eh ouais, quand tu as un moteur de 4 litres 2, tu fais maximum 250-300 km. Surtout si tu aimes bien faire grogner le moteur à chaque 10 mètres. Elle bouffe dans la ville entre 15 et 20 litres. Pour 100 km. Mais si tu fais une ligne droite sur autoroute, ça fait jusqu'à 10 litres. Donc c'est vrai. Elle est un petit peu économique si tu roules des grandes distances. Tu peux pas t'empêcher de ne pas accélérer quand tu as un grand moteur qui fait de superbes bruits. On dirait un petit lion. Ou lion, ça dépend. Mais je vais vous dire un truc. Cette voiture va subir une transformation totale. Vous allez péter un câble. Franchement, ça va être vraiment du lourd. Mais ça va se passer sur la troisième chaîne, Crazy Test Drive. Sur cette chaîne-là, il y a déjà une transformation de Audi A5. On l'a fait une couleur vraiment unique. Il n'y a pas de deuxième voiture avec même couleur en France, en tout cas maintenant. Donc, je vous invite à voir la transformation de Audi A5 sur cette chaîne-là. Et bien sûr, il y aura une transformation de cette Audi S5. On va faire vraiment du lourd avec cette voiture. Donc, je vous invite à aller vous abonner sur cette chaîne-là. Parce que le prochain épisode qui va être autour de cette voiture, ça va se passer sur cette chaîne. Mais en attendant, je vais rouler et je vais vous raconter un peu mes impressions. Franchement, rien que quand j'allume le moteur, je prends plaisir. Ça fait un mois que je la conduis. À chaque fois que j'allume le moteur, je prends un énorme plaisir. Donc, j'imagine pas quand je vais changer le pot d'échappement. Bien sûr, ça aussi, ça va se passer sur l'autre chaîne. Et quand je vais changer le pot d'échappement, franchement, ça va être du lourd. Putain, je suis très impatient. Donc cette voiture sur les papiers il y a écrit de 0 à 100 elle fait à 5,7 secondes. C'est rapide, c'est pas nul mais c'est très bien. Après il y a un mode sport et quand on met mode sport la voiture elle est beaucoup plus agressive où à chaque fois il a envie de genre accélérer on dirait. Le mode sport elle est bien juste seulement si tu veux drifter, même s'il n'est pas fait vraiment pour le drift parce que les 4 roues motrices c'est pas top pour drifter. Sur ce coup là je préfère BMW quand même. Je vais pas mentir, même si moi j'ai Audi S5. Mais sinon l'accélération franchement j'aime beaucoup. Elle est très bien pour niquer des gens. Sinon le moteur V8 de 356 chevaux. La plupart du temps il nique les petites Kiko qui s'arrêtent à feu rouge, tu vois. Avec leur voiture, avec leur BM genre M. Mais qui sont pas vraiment M, qui font semblant que c'est des M, mais en fait, à vrai dire, c'est pas des M. J'ai juste mis des pare-chocs, quelques phares. Et moi, quand j'accélère, bam, je laisse l'air loin derrière moi. Ça, ça fait plaisir. Donc, rien que pour ça, vous payez cette voiture. Et oui, j'ai oublié de vous dire, cette voiture tout neuve, elle vaut 68 à 72 000 euros. Donc voilà. C'est vrai que c'est assez cher, mais je pense que le prix vaut le coup, en sachant ce qu'elle vous donne. Le plaisir qu'elle vous donne. Moi, le seul truc qui vraiment manque sur cette voiture, c'est le bruit. Bien avoir encore plus de bruit. Le bruit, il est bien, mais j'aimerais bien entendre un peu plus. C'est pour ça que je vais changer à pot d'échappement. Donc, en parlant de l'intérieur, rien d'exceptionnel. Hein. Mais ça fait l'affaire et je suis content. L'intérieur, il est tout en cuir. Le volant avec une petite S5, ça fait plaisir, c'est joli. T'as l'impression que t'es vraiment dans un bolide extrêmement sportif. Et les sportifs, c'est pas pour rien qu'il y a S. La lettre S, ça change tout dans une voiture. Mais ça reste quand même un petit peu chic et classe. Wow.
Ouais. Ouh. J'adore. Franchement, quand on accélère, ça dépasse les 4000 tours. Ça fait un bruit vraiment que j'aime beaucoup. Et il y a tout le monde qui regarde parce que le bruit, il est pas comme tous les autres bruits de voiture. Donc, on sent directement qu'il y a une voiture puissante qui arrive. Donc voilà, ça fait plaisir. C'est pour ça que j'aime beaucoup accélérer dans les normes. Si c'est 50, j'accélère jusqu'à 50. Si c'est 120, j'accélère jusqu'à 120. Mais j'accélère vite, ça on a droit. Heureusement, on a droit. Donc là, on va aller dans un endroit où je peux accélérer de 0 à 100 pour voir un peu ce que ça donne. En fait, pour accélérer, on est venu sur une base aérienne. J'ai dit à mon frère, tu crois vraiment qu'ils vont te libérer la piste d'atterrissage pour que toi tu accélères de 0 à 100? Qui ne tente rien? Non. Rien, mais là c'est évident. Là, tu penses vraiment qu'ils vont te donner la piste d'atterrissage juste parce que tu accélères de 0 à 100? Bah ouais, moi je suis là, il faut tout tester. Ouais, bah il faut tester des trucs un petit peu probables, tu vois, pas des trucs comme ça. Hey. Je l'ai cru vraiment, ils m'ont dit « Ah ouais, bah oui monsieur, attends, on va arrêter un peu les avions et voilà, on va te laisser accélérer. » Il y a des avions ici, il n'y a pas d'avions ici. C'est bah c'est quoi, c'est les bases aériennes d'ailleurs. Bases aériennes, mais ils sont fauchés, ils n'ont pas d'avion, ils n'ont pas d'hélico, ils n'ont rien du tout. Mais voilà, t'as vu ta réponse. Ils ont dit « Vas-y, casse-toi, tu vas accélérer 0 à 100 chez toi dans ta petite rue. » Moi, je vais forcer l'entrée, ils vont rien comprendre. Ah, vas-y, on force l'entrée. Bah ouais. Vas-y, à Milan Poste Bleu, on force l'entrée. On va passer la nuit dans une base aérienne militaire. Militaire en plus, il a dit. Du coup, là, on a trouvé un endroit où il n'y a pas de voiture pour pouvoir accélérer sans danger de 0 à 100. On va voir vraiment à combien elle va accélérer de 0 à 100. En même temps, je vous laisse écouter un peu cette bruit de V8. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus et vous abonner bien sûr. Sur ça, moi je vous souhaite une bonne soirée et surtout faites attention sur la route, c'est très très dangereux.